Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est dans le garage et on va parler de ce que j'ai actuellement dans le garage. Je vais vous montrer ça pour les plus curieux. J'aime bien faire le petit tour un petit peu de temps en temps de où j'en suis dans mes véhicules. Donc moi, je n'en ai jamais beaucoup parce que ça tourne. J'ai pas beaucoup de place pour les mettre. Donc je change souvent. En gros, je les vends avant d'en racheter. Donc voilà où j'en suis actuellement. Allez, on fait le petit tour. Allez, on part de là-haut. Donc tu vois déjà, tu as les boîtes Tamiya avec toutes mes lipos de rangée. Les boîtes Tamiya, ok. Et on tombe ici sur la Obao Hyper 10 SC. Donc mon short course, un dixième Obao, que tu vois là. Ok. Avec ses roues pistes. Une de mes préférées en ce moment. Je kiffe rouler avec celle-ci. Vraiment, elle est géniale. On a mis du coup les roues pistes GRP dessus, donc ils ont déjà bien mangé. Je sais pas si tu vas voir, non, tu vas pas voir malheureusement. Il fait un petit peu trop sombre. Hein. Elle est géniale. Donc là, pour l'instant, on est en 3S dessus. Donc le but, ce sera de la passer en 4 parce que la mécanique, franchement, elle peut prendre 4. Là, le 3S qu'il y a dessus, c'est un Goule RC, c'est pas terrible du tout. Je suis un peu déçu de ce moteur. Bon, après, c'est un moteur que j'ai pas payé, donc on va pas se plaindre, hein. Mais voilà, le châssis, lui, il va bien, hein. Il suffit juste de mettre un peu plus de pêche dessus et je serai super heureux avec. Parce que quand je la roulais 2S avec le Hobby Wing, franchement, c'était génial. Donc là, on est rabaissé au maximum dessus. Tu vois qu'il reste quand même de quoi passer la main. Donc c'est très bien pour faire un petit peu pour faire du parking, pour faire du rally game. Ça se passe bien comme ça avec. Et celle-là, on n'est pas prêt de s'en séparer parce que franchement, je la kiffe. Donc au pire, lui changer la carreau. Au pire, lui changer aussi, prochaine étape, c'est de la passer en 4S, donc changer le moteur. Mais sinon, ça sera génial. On va lui reprendre d'autres pneus là parce que les températures ont commencé à monter. Donc on va lui mettre des pneus plus adéquats. Mais voilà. Très très content de cette machine, je l'adore et c'est mon petit kiff du moment. Ensuite, on descend d'un étage et là, on a, tu vois, les petites Tamiya qui sont là. Donc la nouvelle venue dans le garage, elle est là. La petite grenouille, le DT03 Neo Fighter. Donc super content de ce châssis. Un prix très 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 contenu. Il roule super bien. Hein. Je le roule en 3S avec le moteur charbon dessus. Et franchement, ça va bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer des roues pistes à l'arrière. Parce que là, les crampons, ils vont pas aimer. Et moi, je roule beaucoup bitume. Ok. On l'a testé un petit peu sur le skatepark. Si vous avez vu la vidéo, elle est en ligne. Bah, c'était sympa. C'est pas fait pour. Hein, mais bon, voilà, ça s'est bien passé quand même. Tu vois, là, on a les roues du Obao, les roues d'origine là-dessus. Tiens, je pourrais d'ailleurs éventuellement passer deux roues Obao là-dessus. Donc, ça va faire un grand diamètre. Mais ouais, pourquoi pas. Ok, là on a les belles jantes que j'avais mises sur la Lancia. Donc on va revenir justement ici à la Lancia. Donc là, on a cette Lancia. Donc c'est un châssis TT02. Et dessus, on est full, full, full origine. On a juste les suspensions hydrauliques et les roulements. Sinon, le châssis, il est vraiment full origine. On l'a passé en brushless, 5200 kW. En 2S, ça envoie fort, ça envoie fort, ça marche bien. Vous l'avez vu aussi rouler en vidéo, sur plusieurs de mes vidéos, et vous avez vu comme ça fonctionne bien. Et bah, j'en suis content en fait. Donc celle-là, je pense que ça va être une des prochaines à partir, à être vendue. Celle-là, je la garde, c'est certain. Celle-là, je la garde, c'est plus que certain. Ça risque de partir d'ici peu. Hein. On va sûrement la dégager. Celle-là, je la garde. Celle-là, déjà, c'est le Papa Noël qui me l'a ramenée. TA02 équipé d'un Sportune, donc charbon dessus, et la carreau de l'Opel Calibra. Elle est vraiment full origine, tu vois, même les roues, on a laissé les roues d'origine avec les pneus d'origine, ça se passe bien pour ce que j'en fais en 2S sur le petit parking vraiment bien propre. Elle est géniale. Je peux pas vous en dire plus, franchement, voilà, moi je m'éclate avec. C'est une très très bonne machine, je trouve. J'adore ce châssis.
Il est beau avoir évolué. La carreau, tu vois, comme tu peux voir, elle est super belle. Elle est dans un superbe état en plus. Tu la roules cool. Ça va pas super vite, mais tu t'amuses. Franchement, tu t'amuses bien avec. Voilà. Donc celle-là, elle va pas partir non plus. On la garde dans le garage. Celle-ci, c'est l'interrogation. M châssis, M06. Je kiffe la carreau, elle est superbe cette carreau. Dommage, j'ai un rétro qui a sauté hein, lors d'une rencontre avec une Porsche. Cette carreau, moi je l'aime bien, je trouve qu'elle a un look génial. Les jantes chromées d'origine, ça donnait un super look. Là, on est passé sur ces jantes-là qui font encore plus racing et bah, c'est un super look génial. Par contre, voilà, le châssis M06. non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Hein, faudrait que je pense que je mette un vrai châssis en dessous, peut-être pour vraiment l'avoir évolué correctement. Donc, je sais pas, peut-être vendre le châssis, garder la carreau ou la vendre entièrement, je sais pas, mais en tout cas, celle-là, c'est l'interrogation, il va falloir s'en occuper. Donc, voilà pour mes petites Tamiya du moment. Et en dessous, on arrive sur les tout-terrains, donc celle de mon fils, le Vortex, toujours en charbon pour le moment. Le charbon d'origine, il a dégagé et on lui a mis, bah, il a dégagé parce qu'il a cuit. Donc là, on lui a mis un Mabushi 540 que j'avais, parce que j'en ai plein qui traînent dans mes boîtes, là, tu vois, là, j'ai plein de moteurs là-dedans. Donc je lui ai collé ce que j'avais de moins puissant et je lui ai mis une couronne métal pour la tester. Bon, ça se passe bien, très bien, même. Il l'a envoyé sur skatepark et il a commencé à attaquer la carreau. Bon, c'est normal hein, sur skatepark. Mais voilà, ça se passe bien pour l'instant. Donc il continue de se faire la main avec. Dès que j'aurai, je pense, libéré le moteur de celle-ci, je vais le passer sur celle-ci. En 3660, un vrai moteur. Hein, le goulet RC, il sera largement suffisant pour ce petit vortex. Et on roulera comme ça en brushless là-dessus. Là. On a le Arma Outcast 4S V2. Bah lui, il va bien. Hein, il n'a pas de problème. Lui, je ne l'ai pas roulé beaucoup, beaucoup. Les peu de fois où il a roulé, vous l'avez vu en vidéo. Tous les roulages sont en vidéo. Okay. Il va bien, tu vois. Regarde, les pneus, ils sont pas bouffés malgré les petits runs sur bitume. Donc, il va bien. Rien à signaler dessus. Il est là. Il a sa radio d'origine qui est là. Il y a juste à lui coller une batterie et on est parti. Hein. Je pense que lui il va partir aussi parce que voilà, moi je l'ai testé, j'ai vu ce que ça donnait. C'est pas mon kiff plus que ça. Je le roule vraiment pas beaucoup donc je pense que lui il risque de partir aussi. Et du coup, ça c'est ma grosse machine donc si lui il part, on va reprendre une autre grosse machine. Ok, pour l'instant je vous en parle pas, on verra ce qu'on va faire d'ici là. Pour l'instant, moi ça va être les vacances. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit tour de l'atelier, tu vois, pour voir, vous montrer un petit peu où on en est là-dessus. Tout est bien là, tout est bien rangé. Comme tu peux voir, j'ai plus trop de place ici. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit, parce que souvent mes vidéos sortent le midi, ou un bon week-end si c'est le week-end. Donc celui-là, je vous dis, il va sûrement partir. Ça, interrogation, je pense que le châssis, lui, au moins le châssis, il va partir. Ça, bah, c'est un TT02, donc ouais, c'est simple, classique, efficace. Mais ça va sûrement partir. Ça part pas, c'est sûr. Ça part pas, c'est sûr. Yes, ok. Et ça non plus, ça part pas. Ça, j'adore. Et ça, j'adore encore aussi. Ça, c'est beau, avoir évolué. Ça, c'est efficace, ça marche bien et on s'amuse avec. Ok. Allez, ciao.